Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur The Impossible Game en compagnie de Legba, toujours en bonus pour essayer de réussir ce niveau et je vais essayer à la manette, voir si c'est mieux. C'est moi qui suis le bonus ? Non, pourquoi ? T'as dit Legba en bonus. Bah on est toujours dans le niveau bonus. Enfin je pense qu'on est toujours dans le niveau bonus. J'ai juste un bonus, aidez-moi. Non, c'est pas toi le bonus, c'est le jeu le bonus. Mais... Alors par contre, faut que je m'habitue à la manette, ça change considérablement le moment où il faut appuyer, ce qui est bizarre d'ailleurs. Faut pas appuyer au même moment avec la manette qu'avec la souris. Pourquoi ? Peut-être le temps de réaction qui est différent. Putain, t'as sauté trop tôt, t'es trop nul. Arrête de dire que tu es nul, ma chérie, s'il te plaît. Mais c'est toujours au même endroit là, au pic où je me vote. Lamentablement, mais alors j'ai passé le niveau plus facilement avec les manettes là quand même. Je suis morte au même endroit parce que j'ai sauté trop tôt dans la panique, tu vois, mais c'était quand même plus simple pour le reste. Puis ça fait quand même vachement moins mal au poignet, et quand on a moins mal au poignet, et ben on réfléchit mieux. Ok, orange. Nickel. Ouh. Je suis désolée pour vos oreilles, hein, mais ça m'aide à réussir. Ok, j'ai passé le passage où j'étais bloqué. Après, faut se laisser couler. De toute façon, c'est en mourant qu'on apprend. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est un jeu qui demande de l'entraînement. Ok, orange. C'est ça la manette. En même temps, elle réagit mieux que la souris. Hein. Pourquoi j'ai pas joué à la manette dès le départ? Ça change tellement la vie. Bleu. Non, il fallait sauter là. J'ai pas sauté là. J'ai été conne. Je me suis laissé paniquer. Ça va, Legba? Très bien. Tu deviens pas fou? Non. Ok, ça va. Orange. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas compris ce que j'ai fait en fait. J'ai fait une grosse bêtise. Non mais t'arrêtes de faire des bêtises. Oh là 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 là. Ça ne va pas. Les bêtises, non. Et c'est numéro 7. J'aimerais vraiment réussir ce jeu. On en est qu'au niveau 3, hein. Il y en a 4 hein, quand même. Hein. Ok. Ok.
En fait, ça va vraiment être le let's play cassage d'oreilles contre grand silence. Le truc qui rend fou, tu sais. Le let's play du rage quit aussi. Ah non, j'ai pas rage quit ce jeu, je crois. Ah si, peut-être. Non, je sais pas. Encore. Est-ce que je l'ai rage quit ou pas? J'en sais rien. Je suis pas très rage quit en fait, je suis plus circuit moi, tu vois. Surtout sur Doom. Ok, donc à quand le niveau avec des araignées dans The Impossible Game? Des araignées bah, de la... Tu verras que dans Necrovision, il y a beaucoup beaucoup d'araignées quand même. Et ça n'empêche que j'adore ce jeu. Par contre, la lave, c'est pire en fait. En jeu, la lave, c'est pire que les araignées. Et les araignées de lave Bah, ils l'ont fait dans Doom. Hein. Et dans Shadow Blade. Et dans Shadow Blade. Ouais, mais j'ai pas joué à Shadow Blade, donc du coup, ça m'a pas... J'ai fermé les yeux pendant ce passage. Fallait se laisser couler, putain, tu le savais! Ma chérie? Oui. On se calme. Je le savais, j'ai refait la même connerie, j'ai réussi à passer. Ma chérie. Et j'ai refait la même bêtise. Oui. On se calme. Ok. C'est vraiment de l'entraînement ce jeu, hein, putain. En fait, il me faudrait une semaine où je pourrais faire que ça. Ça n'arrivera certainement jamais. Ok, orange. Je protège votre cerveau en chantant dans ma tête. Plutôt en chantant avec ma langue dans ma tête. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que ta langue est dans ta tête? Je donne des coups contre la paroi. C'est horrible. Putain. Mais qu'est-ce que ta langue fait? C'est chaud. Oui. Qu'est-ce que ta langue fait à l'intérieur de ta tête? Mais non, mais je donne des coups de langue contre la paroi en rythme avec la musique pour... C'est pour ça que je comprends pas. Mais t'as dit qu'elle était dans ta tête, donc elle donne des coups contre la paroi depuis c'est l'intérieur et c'est horrible. C'est pas ce que je voulais dire. Bah elle est en moi ma langue, donc forcément. Non mais dans ta tête, c'est dans ton cerveau quoi. Ouais mais non, bah c'est pas loin hein. Oui, ça oui, résonne bon. Jusque dans le cerveau. Oui mais quand ta langue est dans ton cerveau, il y a un problème. Ouais. Par contre, je t'avoue que la musique du jeu, quand t'as la migraine, il y a un moment où... Oula. Oula. Oula, oula, oula. Mais c'est bien, c'est de mettre dans un état robotique en fait. Je refuse de coopérer. J'adore à la manette, hein, c'est génial. Oui. Ah ouais. C'est juste trop bien. Si tu déconnes pas, ça passe. Alors que des fois avec la souris, c'était pas que des questions de moi qui déconnais, tandis que là. Mais j'ai vraiment des passages où, où je fais toujours les mêmes conneries en fait. C'est ça qui est pas normal. Orange. Non mais non, mais t'as sauté 10 000 ans trop tard. Tu te fous de moi? Faut dire une chose, c'est que la partie orange, j'ai mis un temps fou à la réussir. Et maintenant j'y arrive quasiment à chaque fois. Ouais. Donc bientôt, la partie bleue, ce sera la même chose. Et on réussira le niveau. Faut avoir confiance. La confiance. Faut avoir confiance. Le temps fait beaucoup de choses. Donc à force de s'entraîner, on va y arriver. Non mais tu te fous de ma gueule là. Je dis ça, je m'en mets à faire n'importe quoi dans la partie orange.
crois que ma tête devient folle aussi. Ok, orange. Faut que je réapprenne à gérer les distances avec la manette. Il ne faut pas sauter au même moment. Ce qui est très bizarre, ce que je ne comprends absolument pas d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment le temps de réaction de la souris ou de la manette hein, qui change ça, non? Ah. Sûrement. Je vois pas autre chose. Peut-être le fait que ce soit légèrement plus long d'appuyer sur un bouton de manette que de cliquer sur une souris. Ah, c'est possible. Ah oui, c'est tout à fait possible. Je réapprenne à gérer les distances. Bon, je vous rassure, les bonus, il y aura d'autres choses en même temps. Vous aurez Crazy Soirée en même temps, je pense. Parce que sinon, vous allez tenir fou. Plus que du Impossible Game pour ma rubrique, tu vois. Personne ne part tant que je n'ai pas fini le jeu. C'est ça. Tu vas attacher les viewers sur leur chaîne, tu vois. Regarde ça, tu vois. C'est ça. Vous faire... Oh merde, j'ai pas entendu le loup. Ouais. Non, mais... Ils vont devenir fous s'ils regardent que ça, hein, donc ça va pas, je le mettrai en même temps qu'autre chose parce que sinon... En plus le même niveau en boucle quoi, c'est juste pas possible. Puis si j'ai pas réussi tant que j'ai pas fini Crisis Warhead, je vous le mettrai en même temps que Wolf in the Dark ou Stone Ridge. Ce sera le prochain donc... Donc voilà. Ouh. Et c'est là où j'arrive pas à finir Walk in the Dark ou Stone Ridge et où j'ai deux bonus après sur ma chaîne. Enfin pas sur ma chaîne, enfin sur ma rubrique quoi. Et à la fin, j'ai un bonus pour chaque jeu 2D que j'ai pas réussi à finir, tu vois. Merde, merde, j'ai déconné là. Après ça fait 10 vidéos le mercredi. Imagine un petit peu. Hein. J'imagine. Oh là là, terrible. Moi je fais un petit Sam là, coucou. Ça s'entend, tu me fais bailler du coup. Est-ce qu'il s'entend? Enfin, moi je te connais donc je le sens quand tu t'entends. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Donc du coup, je me suis mise à bailler, j'ai pas compris. En boucle en plus. Ah merde, pause. Du coup, je suis morte. Voilà, voilà. Encore. Comme vous pouvez le voir, encore, mais cette fois, c'était pas ma faute. Toum, toum, toum. Bon, est-ce qu'on va y arriver ? Du coup, ça m'a déconcentré, je sais plus du tout. Si on veut y arriver, faut vraiment que je me souvienne du trajet en fait. C'est super important. Bah, du coup, je fais de la merde, je fais n'importe quoi. Bref. Ça m'a un petit peu coupé là, cette histoire. Alors, Brucalin. Brucalin. Je me reconcentre. J'arrive plus à faire un niveau facile. Alors, on est mal barré pour l'orange. Et encore plus pour le bleu. Ouh. Ok, bleu. Non mais, j'y arrive pas à ce putain de passage là. Je sais pas comment on fait. Brucalin. Parce que je saute de suite pourtant, peut-être pas, mais millième de seconde, est-ce que ça peut me faire tomber le millième de seconde? Je sais rien.
Mais dans, jeu tous, mais dans ce jeu, tout se joue il y a une seconde. Ouais, bah c'est ça. Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir sauté de suite, mais alors, c'était pas le cas, sûrement, du coup, mais. Je sais pas. Ouh! Tu fais des bips, les gars. Ah. Ouais. Attention, parce que t'es vraiment à la limite quand t'es là. On va y arriver à un moment ou un autre. Orange. Je sais pas ce qui est plus chiant pour vous quand je dis rien ou quand je chante. À ton avis? Avec base, c'est à toi que je parle. Non? Alors, la bonne question. Bonne question. Mais toi, qu'est-ce qui t'enquiquine le plus? Aucun des deux. Aucun des deux. Bon, on va varier alors. Ok, orange. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai remetté debout. D'accord, parce qu'on a l'impression que t'avais tout fait tomber. Mais non. Ça avait fait un gros boom. Si t'avais fait tomber un truc moi. Par terre. Tu t'es fait tomber par terre en fait. Oh là 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 là. Mon dieu. Non mais pff, oh je fais que de la merde. Ah, c'est pas aujourd'hui qu'on va y arriver hein. J'y arrive plus, j'y arrivais avant l'appel, là, j'y arrive plus à rien. J'arrête pas de mourir en boucle. Sauf que je vais faire une pause après. J'ai envie de pas décrocher en fait. On avait une chance, hein, j'avais chopé le truc. Hein. Non, j'y arrive plus. Je sais pas si je vais pas la couper là en fait. De toute façon, c'est qu'un bonus, je vais arrêter là. Je vais l'arrêter, je vais pas garder ce que j'ai enregistré. Je fais quoi? Quoi? De quoi? Je coupe là et j'efface le bonus ou je continue? Mais non, continue!
Ok, ouais, mais j'ai plus rien, ça m'a un peu perturbé là. Va te sentir, va te sentir. On va la faire à 25 minutes, pas à une demi-heure la vidéo. D'accord. Tu fais quoi? Ah, je traîne sur Facebook. T'en sors pas, toi? Non. Ok. Ok. J'arrive plus à me concentrer sur le jeu, en fait. Courage, courage, courage. Ok, on arrive au niveau difficile. Endroit où j'étais morte avant quoi. T'as pas un truc à nous raconter? Le poulet est toujours à Rockabilly Square. Quoi? Le poulet est toujours à Rockabilly Square. Je répète, le poulet est toujours à Rockabilly Square. Et il fait quoi là-bas? Alors là, c'est bah il écoute du rockabilly. C'est tout. Bah oui. Pourquoi il est parti aussi loin? Bah parce que y a qu'un rockabilly square qu'on entend du vrai rockabilly. Ah bon? Non. Le. Oh le bas, j'arrive plus. Tu vas y arriver, non? Non, j'arrive plus du tout. Tu as pas d'autres trucs à nous raconter? Fifty Shades of Grey, c'est mal. Tiens, vas-y, explique-nous pourquoi. Parce que. C'est comme ça que tu nous expliques pourquoi. Non, mais j'ai fait une vidéo pour ça, tu mettras un lien dans la description. Refais-nous ta chronique. C'est de la merde! Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. T'as rien à nous raconter en fait. Bah ouais, j'ai pas. raconte des trucs, mais je sais pas moi. Je sais pas. Et toi, raconte des trucs. Qu'est-ce que t'as raconté toi? Bah j'en reviens penser à autre chose qu'au coup de fil en fait. J'ai un peu de mal du coup. Et tu que tu veux que je finisse la vidéo, faudrait que tu passes penser à autre chose. Sinon j'ai pas réussi. T'as vu. Cherche un truc. Cherche. Bon, on peut parler de Fifty Shades of Grey si tu veux. Non, non. T'as vu la Trackmania Cup de Zerator est sortie sur YouTube? Ah non, j'ai pas vu. J'ai vu son Zeraton là, ou je sais pas trop quoi. Stream marathon, ouais. Stream marathon. Stream marathon, ouais. J'ai vu qu'il oh, avait stream sorti, marathon, mais il a tout fait d'affilée ou pas? Parce que j'ai pas pu regarder. Oui, il a tout sorti d'affilée. Et en gros, c'était 19 heures de streaming non-stop. Ah putain. C'est dur ce ça, mec. Je sais pas à quoi fonctionne ce mec. Bah, je sais pas, mais. Il a une endurance naturelle en fait. Y'a pas que ça là, c'est il devait carburer au Red Bull pendant les pauses aussi. Tu crois? Ouais, à mon avis, je les crois pauses. C'est pas bon le Red Bull hein. Ouais, mais bon, y'a des moments. Y'a des moments quand t'es forcé de rester éveillé plus que de raison, c'est. C'est une seule chose qui peut. Quoi? Guronzan, c'est une vitamine. Ok, ça aussi. C'est bon. Ouais. Mais ça accélère le rythme cardiaque. Oui. Ouais. Donc c'est pas hyper bon non plus, mais j'imagine que c'est quand même meilleur que le Red Bull, non? Y'a quoi dans le Red Bull? Un tas de saloperies et au moins 6 fois la dose quotidienne recommandée de caféine. D'accord. Et tu sais pas ce qu'il y a comme saloperie dedans? Ah non, j'ai jamais regardé, j'en bois pas moi. T'as déjà goûté? Non. Non, quand je devais rester éveillé la nuit, en général, moi je me faisais 4 litres de jus d'orange en le pressant et je. Allez. Ah, mais ça laisse pas éveiller le jus d'orange. Si. Ah bon? C'est bourré de vitamine C. Ah ouais.
Oh, ça marche pas. Mais il y a que le Guronzan qui marche à peu près sur moi. Mais c'est tout. Hein. Mais mauvais le cœur, quoi. Ouais. Ouais. Le café, ça marche pas. Enfin, sûrement, ça marche pas en tout cas. Après, je sais pas. Ça te réveille, toi, le café ? Non, moi pas, donc je sais pas. T'en bois pas ? Non. T'en as jamais bu ? Si, j'aime pas. Ouais, non, non plus. J'aime que le café vanille ou le café noisette. Non, faut qu'il y ait un fort goût de vanille ou de noisette. Hein. Faut qu'il y ait pas le goût de café, en fait. C'est tout. Mais ça réveille. Moi, ça me réveille pas. Hein. Pour autant. Enfin, bref. J'imagine que tout marche pas pareil sur tout le monde. Hein. Oui. Ouais. En quelque sorte, t'as même l'alcool, il s'en fout. Le pauvre. Pas mal, c'est bien, hein. Il peut boire tout ce qu'il veut sans se sentir jamais bourré. Hein. Ouais, mais ils sentent pas les effets de l'alcool, même pas la décontraction, donc à quoi bon. Bah. Au moins, c'est bon pour lui. Enfin, c'est bon, gustativement, sans être mauvais pour sa santé. C'est plutôt cool. Ouais. Mais si tu veux te saouler un peu pour oublier un truc déprimant, bah ça marche pas. Ouais, mais c'est pas bien de te saouler pour oublier un truc déprimant. Ouais. Ouais, je bon, sais, je peux le passer, mais c'est pas bien. Une fois par an. Je peux le faire une fois par an. Ouais, mais bon, enfin, c'est pas une solution, quoi. C'est une solution à court terme. Oui, mais bon. Parfois, t'as besoin de ça. Ouais, mais bon, c'est mieux de trouver autre chose, quoi. Et parfois, ouais. Tu as besoin de ça. C'est quand même mieux de d'avoir autre chose. Parce que le problème c'est que le quand on a vraiment besoin, ça peut devenir une solution à long terme et c'est pas un bon plan quoi. Oui. C'est ce que je veux dire. C'est ce que tu veux dire. Ouais. Vaut mieux trouver autre chose sur quoi compter. Oui, effectivement. Oui. J'en reviens pas. C'est moi qui te dis ça alors que tu bois pas, quoi. Bah oui. Ouais. Et vous avez vu, il y a un Avengers 2 qui sort en mai cette année. Sérieusement? Bah oui. Oh, j'ai pas. Ouais. Il faut qu'on se fasse plein de Marvel à deux, ma chérie. J'en suis morte. On est morte, eh ben. Quoi, t'as vraiment pas aimé Avengers, toi ? Non. Ah non, je n'ai pas aimé du tout. Autant j'ai bien aimé Iron Man. Autant. Captain America. Ouais, mais j'ai détesté la fin de Captain America. Honnêtement, jusqu'à la fin, c'était le préféré de ce que tu m'avais montré. Et franchement, à la fin, il est passé en tout dernier, quoi. À cause de la fin triste. Ouais, je sais même pas si j'ai pas préféré Avengers, quoi, tellement j'ai détesté la fin. T'as même pas vu le 2, ma chérie, patience. Ouais, mais bon, enfin, tu vas pas... Enfin, je veux dire, ils pourront pas réparer ce qu'ils ont fait dans le 1, quoi, donc... Là, ils y pouvaient rien, ma chérie, c'était la BD qui était comme ça. Ouais, mais bon, j'aime pas du tout. Mais au moins il y avait des héros attachants, tu vois. Il y avait une histoire qui était sympa, qui était attachante, qu'on avait envie de suivre. Autant ouais. Avengers que dalle. Il y avait rien. Tu vois, t'as un peu l'impression qu'ils ont pris tous les héros de Marvel, qu'ils ont secoué un peu, qu'ils ont dit allez-y. C'est ça, et ça moi je joue ouais, pas. Oui, oui, c'est vrai, c'est exactement ça, mais c'est ça qui est marrant. Non, j'aime pas. Bon, d'accord. Bon, par contre, mon amour, ça a bugué, donc du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo bonus, vu que ce jeu adore en bugger régulièrement, donc voilà, j'espère que ce bonus vous aura plu, nous essaierons de réussir ce niveau une prochaine fois. Portez-vous bien, à bientôt !